Écoutez, je vous remercie d'être venu aussi nombreux. Je m'attendais à une petite conférence en micro-comité. Je suis honoré donc, de voir que vous avez salué de votre présence. Merci à Didier Blanc de m'avoir invité dans le cadre du CERTAP, Centre de recherche, d'études et de recherche et de transformation de l'action publique. Il n'y a pas de micro, malheureusement. Didier Blanc, qui a eu l'amabilité de me donner la parole 30 ou 35 minutes sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'abord parce que dans mon cursus, je suis ce qu'on appelle un comparatiste, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde les droits comparés des systèmes juridiques existants. Ensuite, parce que j'ai un certain nombre de doctorants qui travaillent sous ma direction sur la thématique des droits de la femme aujourd'hui. Et puis parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet, je vous expliquerai peut-être pourquoi et comment dans le cadre du débat, si le débat suit. Donc c'est un grand plaisir pour moi parce que, en plus, c'est un sujet d'une actualité toute brûlante, si j'ose dire. Quand je l'ai proposé à Didier Blanc, c'est parce qu'on s'approchait du trentenaire de la ratification de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes par la France. C'était le 17 décembre dernier. Aujourd'hui, on est quand même dans un sujet dont l'actualité est criante, encore une fois, puisque un sujet qui est porté par des paradoxes importants. Un des pays les plus stigmatisés sur la planète aujourd'hui est la République de Centrafrique, pour le traitement qui est accordé aux femmes, présente le paradoxe d'introniser une femme à la présidence du pays. Un sujet en perpétuel mouvement, on voit bien que rien n'est jamais acquis. On regarde un petit peu ce qui est en train de se passer en Espagne, on voit bien que le statut de la femme demeure une préoccupation importante. Si on regarde de l'autre côté de la Méditerranée, on voit que des parlementaires du parti politique Ennahda en Tunisie viennent de déposer un projet de loi la semaine dernière dans laquelle ils envisagent de dénoncer une résolution demandant la dénonciation de la Convention par la Tunisie au motif que les droits de la femme, qui sont une déclinaison des droits de l'homme, ne respectent pas les principes posés dans le Coran. Bref, on a un sujet d'une actualité indiscutable qui confronte le juriste que je suis et les juristes que bon nombre d'entre vous êtes dans la salle à une difficulté qui est celle d'avoir sur l'objet qu'on étudie un regard un petit peu agrandi. Il faut sortir de la préoccupation purement technicienne des juristes que nous sommes et avoir un regard un petit peu plus de sociologue, peut-être de sociologue des cultures, pour prendre la mesure du problème, essayer de voir au-delà des contenus des textes dont je vais dire deux mots, parce qu'on ne peut pas faire ça non plus, essayer d'élargir l'angle d'analyse en essayant de se garder de la bien-pensance actuelle, de la morale à 3 francs 6 sous qui tend à guider nos sociétés aujourd'hui, en tentant de se défaire du bien, de l'idée du bien, de l'idée du juste, de l'idée du vrai, et en essayant d'être tout simplement, très modestement, un petit peu scientifique par rapport à ces questions. C'est ce que je vous propose de faire avec vous. Étant entendu que ça appelle quand même un minimum d'effort de définition a priori, ce qu'on appelle les droits de la femme, puisque j'ai évoqué le sujet, les droits de la femme sont-ils vraiment universel. Qu'est-ce qu'on entend par femme? Si on regarde déjà dans les dictionnaires, on se rend compte que le terme est polysémique, contrairement à ce qu'on pourrait a priori penser. Moi, je me limiterai à délimiter le terme comme individu de sexe féminin, bien évidemment, quel que soit son âge et son statut matrimonial. Je reviendrai sur ça dans un petit instant. Qu'est-ce que le droit? Il y a beaucoup de juristes dans la salle, j'en fais un rappel, indépendamment de tous les débats qui animent les théories des juristes, vous le savez. C'est un ensemble de règles produites par une autorité politique légitime, susceptible de sanctions, et, on oublie souvent de le rappeler, globalement obéie. Je reviendrai là-dessus dans un instant, parce que cette part de la définition a son importance. Alors, il ne faut pas avoir fait un doctorat en droit pour comprendre, a priori, que les droits de la femme aujourd'hui ne sont pas universels. Tout le monde le pressent. 35 ans après les grandes conventions internationales dont je vais dire deux mots, ces droits ne sont toujours pas universels.
Où en sont-ils alors? Quelle a été l'évolution qu'ils ont suivie? C'est la question que je me propose de traiter avec vous. Mais plus fondamentalement, et c'est pour ça que j'ai rajouté ce mot dans l'intitulé, ces droits, finalement, en définitive, en profondeur, au fond, sont-ils vraiment universels? C'est ça là, la question que je voudrais me poser avec vous dans un petit instant. Parce que s'ils sont universels, ça veut dire que la mécanique juridique des droits de l'homme déclinée au bénéfice des femmes, comme je vais le dire, qui porte un certain nombre de valeurs culturelles, qu'on oublie souvent de rappeler, ces valeurs et cette mécanique sont unanimement partagées sur la planète. Le premier point de ma démonstration visera à établir qu'il y a un défaut manifeste d'universalité des droits de la femme aujourd'hui. Il n'y a pas d'universalité des droits de la femme aujourd'hui. J'en ferai la démonstration juridique et j'en ferai la démonstration socioculturelle, si on veut bien m'accorder le bénéfice de ce deuxième aspect de la démonstration. Alors, le deuxième point, c'est, puisqu'ils ne sont pas universels, sont-ils universalisables? Et comment est-ce qu'on peut arriver à un statut homogène, uniforme, universel, d'application terrestre, donc, et d'application réelle des droits consacrés? Est-ce que cette application est envisageable? Quand on regarde les choses de près, on se rend compte qu'en fait, tout ne milite pas du tout dans ce sens, et surtout, les juristes que nous sommes ici sommes appelés à un excès de modestie par rapport à nos comportements traditionnels, parce que la place du droit dans tout ça, finalement, elle est très limitée. La consécration des droits de la femme, c'est l'adhésion à une société particulière, à une culture particulière, à des valeurs particulières, une société égalitariste, une société libérale, une société individualiste. Donc on ne peut pas séparer du chariot de mesures juridiques que j'évoquais. Donc, je vais le dire très, très clairement, et j'insisterai dans la deuxième partie de mon propos là-dessus, l'universalisation des droits de la femme, si elle est souhaitable, à condition qu'on la souhaite, encore une fois, c'est un projet politique. C'est un projet politique et rien d'autre que cela. Et c'est donc un processus là et un processus semé d'embûches. Ça ne peut être en aucun cas un état donné à l'universel des êtres humains. Le défaut d'universalité, j'en dis deux mots rapidement, je vais essayer de m'en tenir au temps qui m'a été accordé, parce que je suis parti, je peux parler de tout ça pendant plusieurs heures si vous ne m'arrêtez pas, et je sais que vous avez des obligations à 14 heures. Sur le défaut d'universalité, que ma crudité de langage me soit pardonnée, l'idéologie des droits de la femme, qui est une déclinaison de l'idéologie des droits de l'homme, rien d'autre en réalité, hein, c'est une déclinaison, c'est une ramification sur laquelle je reviendrai dans un instant, est un héritage occidental. C'est un héritage occidental. Et si depuis la Deuxième Guerre mondiale se dessine devant nous un processus d'universalisation, il faut doublement le relativiser. D'abord parce que l'universalisation est très, très relative, elle est plus formelle que réelle. Et même quand on regarde les choses du point de vue brut du droit, et là je m'adresse un petit peu aux étudiants que j'ai en cours de relations internationales ou à ceux qui suivent les cours de Master 2, en particulier, le processus juridique, lui aussi, il mérite une attention parce que la juridicité des textes qui sont proclamés fait cruellement défaut, comme on va le voir. Sur le premier aspect, l'occidentalité originelle des droits de la femme. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne fasse pas un procès d'intention que l'Occident a toujours été respectueux des intérêts et des droits de la condition féminine. Dans toutes les sociétés sédentaires, pour autant qu'on ait pu les étudier, il y a un vol de femmes, on va les chercher chez les autres, on les prend. Viol de femmes, on va les chercher chez les autres et on les consomme sans leur demander leur autorisation. Soumission des femmes aux hommes de façon quasi généralisée. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, à l'Occident, le statut de la femme a considérablement évolué, je vais y revenir dans un instant, et que le sort discriminatoire qui leur a été longtemps réservé est aujourd'hui a été sensiblement atténué, et qu'on est presque sur une remise à niveau, une remise à niveau dont la finalité, quand même, serait quoi, au bout du compte? La finalité, la réalisation pleine et entière des droits de la femme, c'est la disparition des droits de la femme.
c'est la réalisation des droits de la personne humaine, sans plus qu'il soit nécessaire de parler, d'évoquer directement la condition féminine. Quand on regarde ce qui se passe sur la planète, on se rend bien compte qu'en fait, le traitement discriminatoire à l'égard des femmes s'échelonne sur des niveaux différents, qui, en partant de chez nous, en allant vers la périphérie, mérite quelques explications. Je tiens à dire que, même si je prends une perspective comparatiste ici, c'est-à-dire que je vais regarder un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, je me centrerai quand même essentiellement sur l'expérience africaine, qui est celle que je connais le mieux, puisque je suis chercheur au centre à l'Institut français de droit francophone, de droit comparé des États africains francophones et de droit musulman. Donc je parlerai de ce que je connais un petit peu mieux. Chez nous, pour dire les choses crûment et rapidement, se pose le problème de la considération de la femme à travail égal, revenu égal, conditions de l'avortement, les conditions techniques de réalisation de l'avortement, aujourd'hui les préoccupations d'accès à la procréation médicalement assistée. Dans un deuxième niveau de préoccupation, se pose le problème de l'inégalité face au droit civil et au droit civique. Des sociétés dans lesquelles les femmes ne sont pas en mesure d'être propriétaires de leurs biens. Des sociétés dans lesquelles les femmes ne sont pas en mesure d'hériter des biens. Des sociétés dans lesquelles existe ce qu'on appelle le rite du veuvage, qui interdit à la veuve de se remarier, ou la pratique du lévirat, qui fait que le frère du mari défunt hérite de l'épouse de son frère et des enfants qui vont avec, comme un bien d'héritage patrimonial, exactement de la même façon que s'il s'agissait d'un bien mobilier ou immobilier. L'accès à l'éducation, l'accès à la justice, l'accès aux affaires publiques. Dans un troisième niveau de préoccupation, les discriminations qui peuvent se dessiner consistent le statut social de la femme, qui peut être circonscrit à la reproduction, au fait de faire et d'élever des enfants, et dont on ne saurait s'émanciper, y compris d'ailleurs par des rites et des comportements vestimentaires qui, dès lors qu'ils sont obligatoires, peuvent être considérés comme étant discriminants. Tant par les sociétés dans lesquelles les femmes sont obligées de se couvrir intégralement dans l'espace public, chez les sociétés pachtounes d'Afghanistan, chez les wahhabites d'Arabie Saoudite, ou les sociétés dans lesquelles la circulation de la femme sur la voie publique est interdite, comme sur l'oasis de Siwa, à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Quatrième degré de préoccupation à l'égard de la discrimination à l'égard des femmes, le viol. Le viol systématique ou systématisé, y compris le viol conjugal, la violence domestique, qu'on lise par exemple Alaa El Alaoui, un auteur chrétien, qui mentionne qu'il a fallu qu'il prenne conscience à 20 ou 25 ans que depuis sa toute petite enfance, enfin depuis son adolescence, rendons-lui justice, il était autorisé à violer les femmes de ménage qui venaient faire le ménage chez lui, en considérant que c'était tout à fait normal. On va demander ça après, peut-être, non ? Merci beaucoup. Et ce qui est ou la prostitution forcée, qui est encore un procédé répandu. Et puis le dernier degré de préoccupation pour nous, avec notre vision occidentale centrée des choses, les mutilations physiques ou les mutilations génitales, sans rentrer dans le détail de ce qui peut à nous évidemment nous choquer. Ces fameuses femmes girafes à qui on essaie d'étendre le cou en mettant des colliers jusqu'à ce qu'elles fassent 50 cm de haut, les scarifications multiples, les pieds atrophiés des Asiatiques que vous avez déjà vus pour des questions purement esthétiques. On aurait pu rapprocher de ça le corset occidental qui, pendant longtemps, a contraint un certain nombre de femmes à épouser la finesse de rigueur. Et puis les mutilations génitales, évidemment, sans rentrer dans les détails morbides, puisqu'on les retrouve à peu près partout sur la planète, hein, autant dans le monde arabo-musulman, mais dans le monde de l'Afrique de l'Ouest, chez les aborigènes d'Australie, dans les tribus d'Amérique latine, introcision, ouverture vaginale permettre la pénétration chez les prépubères. Infibulation, couture, excision pharaonique pratiquée dans le sud de l'Égypte pour priver la femme de toute possibilité de relation normale, qui d'ailleurs provoque des mutilations multiples et des incontinences multiples qui après
provoque l'excommunion, c'est-à-dire que la jeune fille qui a été mutilée dans un premier temps est dans un deuxième temps excommuniée parce qu'elle n'est plus en mesure d'avoir une vie normale. Bref, je vais vous passer les détails glauques, je ne voudrais pas rester sur le négatif. Dans ces sociétés multiples dont l'Occident a fait partie pendant longtemps, eh bien, a germé une culture dans laquelle, progressivement, on s'est mis à considérer que les femmes, le sexe féminin, était de valeur égale à celui de l'homme. Alors ça a été un processus lent. Vous l'avez tous et toutes étudié lorsque vous êtes juriste, vous en avez tous et toutes des notions lorsque vous ne l'êtes pas. C'est un processus juridique qui a été très très lent, qui a commencé d'abord par une reconnaissance globale d'un certain nombre de droits, puis l'arrivée aux portes du pouvoir politique, à la représentation politique, à l'égalité de statut, et aujourd'hui à la consécration de la contraception, du droit à l'avortement, des lois qui pénalisent le harcèlement, des lois qui constatent et qui consacrent la parité politique, dont on pourrait dire beaucoup, mais qui ne sont pas dans notre sujet aujourd'hui. Tout cela, c'est un processus occidental, qu'on veuille le reconnaître comme le tel, c'est une réalité. C'est un processus occidental. Ce qui s'est produit, c'est que effectivement, depuis la fin du second conflit mondial, et encore une fois depuis une vingtaine, une trentaine d'années, il y a eu un processus d'universalisation de cette idéologie des droits de l'homme, encore une fois, appliquée à la femme. On a eu un double mouvement. C'est une multiplication des textes. Je vais en dire deux mots. Je vais passer vite dessus parce que je ne vais pas respecter les délais. On a eu une multiplication des textes, mais ces textes sont d'une portée juridique très très faible. Et je veux quand même en dire deux mots parce qu'il faut savoir faire la distinction entre le moment où, à grand coup de spectacle, à grand coup de médias, on adopte un texte international et le moment où sa juridicité est soumise à débat. Sur la multiplication des textes, je vais les passer en revue rapidement. La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Pas de discrimination, pas de distinction en fonction du sexe. Le Pacte international sur les droits civils et politiques, 1966. Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Pas de différence de traitement sur la base du sexe. C'est le principe général. Déclaration de 1967 sur les droits de la femme. Plus important, c'est le texte fondateur, pour ce qui nous concerne à nous aujourd'hui. 1979, convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Interdiction des discriminations à l'égard des femmes, texte adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Là-dessus, 10 ans plus tard, 1989, convention sur les droits de l'enfant. Pas de mariage précoce, pas de travail pour les enfants, accès égal des filles et des garçons à l'éducation. 1999, protocole facultatif, création d'un comité de surveillance dans le cadre de la convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes pour s'assurer par la voie de plainte que les dispositifs normatifs sont respectés. Je vais y revenir dans un petit instant. Et puis après, si je m'intéresse un petit peu à la problématique africaine que j'ai évoquée, je veux m'en servir pour ma démonstration. Il y a eu un certain nombre de textes spécifiquement régionaux, là, cette fois de portée continentale africaine, hein, une charte des droits de l'homme et des peuples, pareil, pas de discrimination fondée sur le sexe, un protocole additionnel à la charte dite de Maputo 2003, dans lequel se présente un article dont je dis un mot, article 2, alinéa 2, parce que c'est le cœur de la problématique dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Les États africains signataires s'engagent à modifier les schémas et les modèles de comportement socioculturel afin de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes. Il s'agit d'un changement socio-culturel programmé dans un texte signé par des États africains. Sur le papier, c'est tout à fait louable, à condition qu'on considère que l'universalisation soit souhaitable, encore une fois, moi je ne porte pas de jugement de valeur sur cette question, intégrité physique respectée pour les femmes, liberté de mariage, il faut qu'elles consentent et qu'elles soient en âge de le faire, accès à l'éducation, accès à la santé, accès au monde professionnel, préservation des femmes dans les situations de conflit, ce n'est pas rien, puisqu'en général elles sont les premières à faire les frais des situations de conflit. Bref, sur le papier, tout est plutôt louable. En réalité, sur le terrain du droit, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Concrètement,
réellement, d'un point de vue juridique, j'interpelle ici les juristes qui sont dans la salle, et les non-juristes d'ailleurs, pour les éveiller à un aspect problématique sur lequel on est très peu sensibilisé quand on n'est pas dans le monde du droit. Pour que ces textes s'appliquent, il faut que ce soit des textes de droit, contraignants, applicables. Déclaration universelle des droits de l'homme on ne peut pas l'invoquer devant les tribunaux. Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels non plus. La charte des droits de l'enfant non plus, c'est une charte, c'est une pétition de principe, ce n'est pas un texte juridique. Les textes juridiques, je fais une présentation en entonnoir, hein. Donc il y a déjà des textes qui échappent à ça. Parmi les textes juridiques, la Convention européenne, la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, parmi les États africains par exemple, il y en a trois qui ne l'ont pas signé. La Somalie, les deux Soudans. Pas vérifier si le Sud-Soudan l'a fait, je ne pense pas que dans les préoccupations qui sont les siennes actuellement, on ait pensé à ça. 35 parmi les 54 n'ont pas signé la reconnaissance du comité de surveillance. 27 sur 54 n'ont pas signé le protocole qui permet de faire un contrôle réel. En réalité, on a tout juste une moitié d'États engagés concrètement dans le dispositif. Troisième problème, il faut que les droits soient justiciables. C'est-à-dire que devant un juge, on puisse invoquer quelque chose. Article 10 de la Convention. Les femmes ont droit à une existence pacifique. On a expliqué ça à une Soudanaise aujourd'hui, une centrafricaine peut-être. Rien de justiciable là-dedans. Ce sont des pétitions de principe qui sont complètement dépourvues de toute forme de juridicité. Autre problème, les textes doivent être en vigueur et applicables aux États qui les ont signés et ratifiés. Or, parmi les 25 qui restent, que j'évoquais, 8 ont émis des réserves. Réserves interprétatives qui ne sont pas des moindres. L'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Lesotho, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, la Tunisie ont bien précisé que leur engagement se limitait au cas où les droits consacrés ne se heurtent pas au droit traditionnel, qui est un droit coranique, qui ne se heurte pas donc au droit musulman. Toutes les questions du droit de la famille, du droit des successions qui régissent les sociétés en question en fonction du droit musulman dérogent donc aux conventions envisagées et n'ont aucune vocation à s'appliquer à partir du moment où l'État a émis une réserve. Je le dis pour ceux qui ne sont pas de la famille du droit, à partir du moment où un État a émis une réserve sur une disposition d'engagement, ça signifie qu'il s'engage sur le traité à l'écart, à l'exception des articles sur lesquels il a émis une réserve. Les États dont je parlais ici ont émis des réserves de telle nature que leur engagement est nul sur le point du droit. Les textes, enfin, doivent être justiciables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir en obtenir application ou réparation devant un tribunal ou devant quelqu'un. Or, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Pour la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et pour le protocole, un contrôle sur rapport. Le contrôle sur rapport, ce sont les États qui ont signé la Convention qui remettent un rapport sur la situation du droit dans leur propre pays. Ce sont des experts du pays qui rédigent un rapport et qui font le bilan sur la situation. On voit le degré de contrainte à l'égard des États. Il existe un contrôle sur plainte, dans deux cas, pour ceux qui ont signé le protocole sur la Convention et pour ceux qui ont signé la Convention sur les droits de l'enfant, mais on est sur un contrôle sur plainte qui donne lieu à des observations. C'est-à-dire que quand quelqu'un porte plainte, le comité de surveillance rend une observation. Il constate que manifestement, dans l'hypothèse qui lui a été soumise, le droit a peut-être été violé. Concrètement, obligation à l'égard des États, nulle. Zéro. Donc on est sur un processus de consécration formelle dans lequel les conséquences juridiques sont proches de zéro. D'ailleurs, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui pointe tous les ans les États au regard de leurs engagements, stigmatise systématiquement la plupart des pays africains en disant « Vous avez pris des engagements au niveau international, vous aviez dit que vous alliez mettre vos normes en conformité avec ce que vous avez signé au niveau international, et personne ne l'a fait ». Sur le dernier rapport de la FIDH, le seul pays africain qui soit aux normes en conformité, c'est l'Afrique du Sud, avec le Cap Vert. Et le Cap Vert est dénoncé pour la non-application des textes dans la pratique. Problème sur lequel je vais venir. Je parlais ici juste de problème de droit. Donc on imagine ce qu'il en est en pratique. Alors ça ne veut pas dire que rien n'est fait,
puisque tous ces textes témoignent d'une avancée, hein, ça va dans un sens, mais le chemin est long. Le chemin est long. Alors justement, je vais essayer d'engager mon propos pour garder un petit moment pour la discussion, si vous la souhaitez fournir. Ces droits, finalement, est-ce qu'ils sont universalisables? Puisqu'ils ne le sont pas aujourd'hui, universels, est-ce qu'ils sont potentiellement universalisables? Il faut parler clairement. Si on considère qu'on veut les rendre universels, il s'agit, une nouvelle fois, je le redis clairement, parce que c'est pas une philosophie, c'est une idéologie. C'est donc un projet politique. Si on veut que la philosophie des droits de l'homme, l'idéologie des droits de l'homme, soit d'application universelle, il faut militer en ce sens et dresser un projet politique en ce sens. Il faut avoir l'honnêteté de porter les valeurs dont on veut diffuser universellement le contenu. Et le droit là-dedans, il est forcément très limité. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de dépasser des résistances culturelles et des résistances sociales. Je vais le dire en deux mots. Ça signifie quoi concrètement? Il faut dépasser des résistances politiques. Je vais venir sur un sujet qui est maintenant un sujet éminemment politique, parce que de toute façon, le sujet est politique. On ne peut pas nier le contenu de cette affirmation. Il faut dépasser les réticences politiques et les résistances sociales. Ça suppose quoi? Ça suppose de convaincre les dirigeants et de faire adhérer les dirigés des sociétés dans lesquelles on a la prétention d'imposer un système droit de l'hommiste et donc respectueux des droits de la femme. Or, qu'est-ce qui se passe concrètement? La philosophie des droits de l'homme et la philosophie des droits de la femme qui l'accompagnent apparaissent dans bon nombre de pays. Il faut se défaire des points de vue qu'on a ici, hein, qui sont très occidentalo-centrés. Hein. Cette philosophie, elle apparaît comme une marche forcée, comme une évolution forcée, voulue par l'ONU, voulue par le Fonds monétaire international, voulue par la Banque mondiale, voulue par les Américains, voulue par les Européens, comme si on leur demandait, si on demandait au monde extra-occidental, d'adhérer à une philosophie de société, à un mode de vie en société, avec des contreparties financières. C'est un petit peu ça qui se produit, c'est adhérer à nos systèmes textuels et on vous financera le développement des infrastructures. Et comme ça ne marche pas, dans bon nombre de pays du monde extra-occidental, comme les résultats ne sont pas là, on tend un petit peu à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire à dire, puisque le système que vous nous imposez ne marche pas, nous n'en voulons plus du tout. Ce qui fait que l'adhésion des pays concernés, c'est ce que je disais tout à l'heure, est une adhésion factice. Les hommes d'État des pays dits en développement, notamment africains, mais aussi dans une certaine mesure asiatique et latino-américain ou du monde arabo-musulman, adhèrent dans les instances internationales, très bien, il faut signer la charte, la déclaration, etc., mais tiennent un complet double discours quand ils rentrent chez eux en disant, d'abord, les modalités d'application n'existent jamais, les moyens n'y sont jamais consacrés, et surtout même, on a un discours à l'intérieur de dénonciation d'un système que, par ailleurs, on prétend vouloir adopter à l'extérieur au niveau des organisations internationales. Or, c'est un problème, parce que ce double discours, il a un impact sur les sociétés dans lesquelles il est tenu. Il n'y a pas, aujourd'hui, dans le monde, on peut le dire, crûment, je caricature un peu, forcément, il faut marquer le trait pour susciter la réflexion, et je n'ai aucune autre prétention ici que de susciter la réflexion, hein, et la réaction, éventuellement. Il n'y a pas dans le monde extra-occidental aujourd'hui d'adhésion au modèle démocratique et à son système de valeurs. Il n'y a pas d'adhésion. Et même, on assiste à un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il se dessine progressivement un phénomène de rejet du système occidental, dont on considère qu'il s'agit d'un melting pot, d'une sorte de bouillasse sans saveur, dont les sociétés traditionnelles ne veulent pas, et à l'égard duquel elles se raidissent même par un retour à des pratiques culturelles, à des pratiques identitaires et à des pratiques religieuses qui sont à l'inverse du résultat escompté. La démocratie, dans bon nombre de pays sur la planète, c'est des plans d'ajustement structurel décidés par le Fonds monétaire international, et un petit peu partout, on n'en veut pas. Regardez comment les Russes, aujourd'hui, ne se gênent plus, après avoir passé 15 ans dans le rang, pour dire très clairement: de votre système, on n'en veut pas.
On n'en veut pas. On préfère avoir un tsar, un nouveau tsar, hein, en la personne de Vladimir Poutine, que de continuer sur cette voie, sur la voie de la bouillasse, hein, dépourvue de sens, dépourvue de finalité, comme elle est perçue un petit peu du monde occidental. La démocratie, c'est l'impérialisme américain, la démocratie, c'est la France-Afrique, la démocratie, c'est l'Union européenne qui veut faire du néocolonialisme. Bref, on a un retour vers des comportements qu'on croyait révolus. Et même, on a un recul, dans bon nombre de pays, du statut de la femme. Alors, est-ce que pour autant tout est perdu ? C'est pas mon sentiment, pas du tout. Je l'ai dit, il s'agit d'un projet politique. Encore une fois, quand on veut les choses, il faut se donner les moyens de les acquérir. Elles ne viendront pas toutes seules. Si on considère que l'universalité des droits de la femme est une nécessité, il faut se donner les moyens de la réaliser. Si on pense que c'est bon, il y a deux processus. Soit on le fait par la force, soit on le fait par la force de conviction. La force, on le voit bien, ça n'a pas fonctionné. La force de conviction est donc la dernière étape possible. Ça demande un effort de tout le monde. Je voudrais en dire deux mots pour terminer et après rendre la parole à la salle. Notre système juridique à l'occidental, dans le monde extra-occidental, on peut le dire aujourd'hui, il est un échec. Il est un échec. Il est un échec pour des raisons multiples. Il est un échec parce que les dirigeants des pays concernés, c'est vrai, gangrénés par le clientélisme, par la corruption, par le favoritisme, par le clanisme, c'est vrai, ne font pas l'effort nécessaire en faveur du développement. Mais il l'est aussi par des comportements de l'Occident à l'égard desquels il faudra à un moment donné trouver remède si on veut promouvoir un projet d'organisation et un système juridique, juridictionnel, d'état de droit démocratique. Ça commencera par donner la valeur d'exemple. Deux choses sur lesquelles il faudra impérativement agir dans la perspective de l'universalisation des droits de la femme. D'abord, cesser la violation systématique du droit dont on fait parallèlement la promotion. Très mal vécu dans le monde extra-occidental, le fait que les Occidentaux demandent aux autres d'appliquer un droit dont ils se dispensent de l'application quand ils l'estiment nécessaire. Les Américains, à certains égards, les Européens, dans d'autres, s'émancipent des règles qu'ils ont dressées pour les autres. Ce droit à deux vitesses est catastrophique. J'en parlais ce matin en première année. La deuxième chose à laquelle il faudra remédier, et ça passe par des règles de droit, mais émanant des pays démocratiques eux-mêmes, c'est le comportement voyou des firmes multinationales. Quelle est l'image que l'on peut avoir de l'Occident à l'autre bout de la planète quand débarquent des gens qui viennent piller les ressources naturelles, quel qu'en soit le prix, pour en retirer de l'argent, quel qu'en soit le prix social, quel qu'en soit le prix humain. Il existe donc une priorité qui est le principe de l'exemplarité que doit porter le modèle qui a vocation à devenir universel. On ne peut vendre l'état de droit que par une application rigoureuse du droit, et ça nous demandera, ça demandera, à condition qu'on souhaite véritablement l'universalisation des droits de la femme, un effort tout particulier. Un deuxième aspect qui demande de parler clairement. L'état de droit démocratique, je l'ai dit, l'état qui consacre la femme au même rang que l'homme dans toutes les prérogatives juridiques qui lui sont accordées, c'est un système qui s'accompagne de valeurs. Elles en sont indissociables. L'état de droit est individualiste. L'état de droit est libéral. L'état de droit est égalitariste. On ne peut pas dissocier l'état de droit démocratique de ces trois principes fondateurs. Or, il faut avoir la franchise de le dire. Et je crois que je vais les interpeller pour certains d'entre eux dans une petite seconde. Les populations ayant migré dans le monde occidental ont pour mission de dire ce qu'il en est dans le monde extra-occidental. Beaucoup de sociétés sur la planète sont des sociétés communautaristes dans lesquelles l'individu n'existe que par la place qu'il occupe dans un groupe social et par le rang. Ce sont des sociétés castées par le rang que l'on occupe dans un groupe communautaire. L'individu n'y existe pas. La femme y existe bien évidemment encore moins. Donc l'enjeu central qui se pose, en parlant de perspective universaliste des droits de la femme, c'est celui de la perception que peuvent avoir les sociétés non occidentales de la société occidentale. Et là encore, il y a des ressorts sur lesquels on peut agir si l'on veut prétendre à l'universalité. Je l'ai dit tout à l'heure, renoncer à un certain nombre de comportements, par exemple voyous pour les firmes multinationales, ou encore
la question de la violation des règles. L'image communicationnelle, nous sommes dans une société de technologie de l'information, de technologie de communication mondialisée. L'Occident a une mission d'exemplarité dans sa façon de se communiquer, de se produire, de se mettre en scène, de se mettre en spectacle vis-à-vis du monde entier. À ce sujet, pour avoir travaillé dans l'Organisation internationale de la francophonie, je crois qu'il aurait tout intérêt à se montrer dans une dimension multiple. C'est-à-dire que l'Occident, ce n'est pas que les États-Unis et la production hollywoodienne. C'est aussi un monde francophone avec un mode de pensée différent qui peut se donner à réfléchir dans d'autres dimensions. Et puis surtout, je vais faire un petit peu de politique, que ça me soit pardonné. Les populations ayant migré en Occident de première, deuxième, troisième génération sont les seules à pouvoir jouer le rôle d'interface entre les sociétés dont elles sont issues et la société qui les a accueillies. Ce sont elles qui communiquent sur le mode de vie en Occident. Ce sont elles qui tiennent le discours. Les femmes expatriées qui tiennent un discours sur le statut des femmes en Occident. Il est indispensable sur ce terrain que les choses aillent dans le bon sens. Or, je ne suis pas certain qu'en observant les sociétés occidentales aujourd'hui, que les choses aillent réellement dans ce sens-là. On a une sorte d'idéalisation d'un modèle traditionnel qu'on a quitté, qui semble un petit peu fantasmé, sur lequel on se retourne, y compris des fois dans une deuxième ou une troisième génération, de façon complètement, complètement déconnectée de la réalité. C'est un ressort pourtant sur lequel il faut agir. En définitive, ça repose quoi ? Ça sur quoi, concrètement ? La multiplication des textes, c'est bien, c'est très bien, on ne peut pas faire de droit sans prendre des textes relatifs au droit. Tout vouloir d'un coup, de façon immédiate, ça n'est pas réaliste. Il ne faut pas succomber au piège de l'immédiateté et au piège du tout maintenant. Les choses prennent du temps, elles se construisent patiemment, on ne peut pas tout vouloir maintenant. Je crois que concrètement, ça passe par des actions concrètes. Ici, j'étais content d'avoir choisi de passer à ce moment-là du calendrier, puisqu'on est en plein milieu des semaines des droits des femmes. Vous ne savez pas, on est au milieu des 4 semaines des droits des femmes, et donc j'interviens en plein milieu. Ces actions doivent être valorisées. Les actions de terrain en faveur des droits des femmes doivent être valorisées. Il existe des collectifs féminins en Afrique, qui s'appellent ratifier, respecter, qui harcèlent les hommes politiques africains pour les faire signer les conventions, pour les faire ratifier les conventions et pour les faire respecter les conventions. Il faut les médiatiser. Mais il faut surtout, et je reviens là-dessus, je vous invite, ce sera mon sujet de réflexion jeté en pâture au public. Il faut associer les populations extra-occidentales qui ont migré à l'Occident. Leur rôle est majeur. Leur rôle, c'est l'interface entre deux catégories de sociétés. Leur rôle ne peut pas se limiter à envoyer des subsides au pays, de renvoyer des subsides financiers au pays que l'on a quitté. Il faut que ces populations mesurent les écarts, mesurent les chemins à accomplir entre les sociétés dont elles sont issues et les sociétés qui les ont hébergées, qu'elles en deviennent les porte-parole, qu'elles visualisent les valeurs qui les fondent et qu'elles en deviennent un exemple. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Allez, je termine, c'est promis. Je suis allé trop loin. Je le fais très bref. Il faut de la démopédie. Il faut de la démopédagogie. La démocratie, ce n'est pas un système, ce n'est pas un jeu de formes et d'institutions. C'est un système qui se mérite. C'est un système qui s'entretient. C'est un système qui s'éduque. C'est un système que l'on enseigne. Tombe pas du ciel. Les démocraties apaisées sont des démocraties mortes. Je le dis tout le temps aux étudiants. Quand on croit qu'on vit dans des démocraties apaisées, on se met complètement dans l'erreur. Les démocraties apaisées sont des démocraties vouées à la disparition. La démocratie est un système qui se mérite. Donc, pour une réalisation pleine et entière des droits de la femme, il faut enseigner, il faut introduire un dialogue de la culture, une culture du dialogue, plus exactement, une culture du dialogue, parce que c'est la culture du dialogue qui fait qu'un jour, on a un dialogue des cultures. Quand on a d'abord décidé qu'on serait d'accord pour parler, après, on peut parler. Et à partir de là, on peut éventuellement se persuader. Et donc, si on veut l'universalisation des droits de la femme, il faut se mobiliser pour mettre en avant sa force de persuasion, en montrant que notre système, qui n'est pas universel, et dont nous voulons qu'il le devienne, est bon pour l'homme, et qui peut être bon pour la femme. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Des questions ?
votre intervenant a suscité beaucoup de questions. Il vous a même mobilisé. Oui, monsieur. Bonjour. Donc, ma question porte sur le niveau du communautarisme et de l'individualisme. Vous dites que ça serait aux populations issues des lieux subsahariens qui devraient faire le dialogue vers les populations des États dont ils sont issus. Mais au sein même des pays occidentaux, il y a quand même un phénomène aussi de. Bon, pas général, mais il y a quand même un certain phénomène de communautarisme au niveau de ces populations qui sont issues des États subsahariens et qui ont été accueillis en Occident. Donc il y a aussi au niveau du dialogue, proportionnellement, je suis d'accord avec vous, mais aussi. Proportionnellement aussi un certain phénomène de communautarisme des populations immigrées. Ça a fait une réponse. Par rapport à ce phénomène de communautarisation. C'est un fait, ce qui me fait dire que comme, encore une fois, l'idéologie des droits de l'homme est une idéologie. L'idéologie des droits de la femme qui en découle, qui consiste à dire qu'en fait la femme a exactement les mêmes droits. À la prétention à avoir exactement les mêmes droits que celles de l'homme, les droits de la personne en fait. Hein. En fait, quand le but est atteint, normalement on devrait évoquer les droits de la personne, sans plus évoquer les femmes et les hommes. Normalement, le genre devrait complètement disparaître. Dans la mesure où ça n'est pas un état de fait, dans la mesure où c'est un projet, il faut imaginer les ressorts sur lesquels il faut agir pour que les choses évoluent. L'interface, j'insiste là-dessus encore une fois, l'interface, c'est-à-dire les sphères de contact entre les sociétés occidentales, on va dire, pour grossir le trait, je grossis le trait, les choses ne sont pas aussi manichéennes, aussi simplistes que ça. L'interface entre les sociétés occidentales et les sociétés qui ne le sont pas sont multiples. Les représentants politiques, les médias occidentaux, et puis les diasporas, qui sont un élément de contact direct entre les populations des sociétés extra-occidentales et les sociétés dans lesquelles ces populations ont migré. C'est l'interface, vraiment. Donc, sur les ressorts utiles qu'il faut mobiliser à partir du moment, encore une fois, je n'ai pas dit que c'était nécessaire. J'ai dit qu'à partir du moment où on se pose la question, il faut savoir sur quoi il faut agir. À partir du moment où on décide qu'il faut agir, c'est un des ressorts majeurs sur lesquels il faut agir. Un des ressorts prioritaires. Et j'ai dit, justement, tout à l'heure, mais vous le remarquez très justement, que pas sûr que les choses vont être véritablement dans le bon sens dans ce domaine-là. Mais est-ce que nous communiquons de façon suffisamment explicite en ce sens quand nous le souhaitons, quand nous voulons mener à bien ce projet? Est-ce que nous le voulons vraiment? C'est la question que je me pose, parce qu'encore une fois, moi, toujours, je reviens toujours sur ça. La notion de démocratie apaisée, on va pas voter, mais on ira voter le jour où il y a danger avec le Front National parce qu'on est réactif. Je n'y crois pas du tout. La démocratie apaisée est une démocratie moribonde. La démocratie est un système qui demande un investissement quotidien, collectif, sans quoi, on le sait depuis longtemps, le pouvoir corrompt, l'homme se met dans les fers tout seul, hein, et le système, s'il évolue tout seul, se condamne lui-même à se fermer les portes de la liberté, à devenir liberticide et privatif, évidemment, de marge de manœuvre pour lui-même. Enfin, je n'ai pas de réponse, bien évidemment, sur la question. Je dis juste que je n'ai pas de réponse sur les modalités d'action. En tout cas, le ressort, il est clair. Les populations qui ont migré, les populations qui ont migré sont en contact avec les populations des pays, avec les familles des pays dont elles ont migré. En première, en deuxième, même en troisième génération. En général, on envoie de l'argent au pays. C'est comme ça que ça marche. On peut le dire, on peut ne pas le dire. La vérité, c'est ça. C'est que ça se passe comme ça. Et on a un contact. Comment ça se passe? Comment on le vit? Et ce qui est en train de se passer, je trouve inquiétant, parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est une forme d'idéalisation, de fantasme autour des systèmes que l'on a quittés parce qu'ils ne marchaient pas, et sur lesquels, maintenant, en étant loin, éloigné, on nourrit une espèce de fantasme positif, comme si on avait perdu un paradis, on avait laissé un paradis lointain, dont on oublie quand même qu'on doit lui envoyer des subsides pour qu'il continue à survivre. Je referme la parenthèse, je ne veux pas aller trop loin sur cette question.
Je peux poser une question ? Avec plaisir. Je suis très étonné de l'enthousiasme que tu nous as communiqué. Donc, merci beaucoup. Alors, je ne suis pas spécialiste de droit, mais je suis spécialiste de droit romain. Donc, il en faut, quelquefois. Et je te rappelle qu'à Rome, il n'y a pas de femme parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a qu'un individu libre ou esclave. Donc, si un individu est libre, prenons une femme, le synonyme d'une femme libre, c'est « venter », le ventre. Le ventre. Et quand une femme est supposée être enceinte et que son mari part à la guerre, il y a un individu, un citoyen libre, qui est le gardien du ventre. Si le mari meurt à la guerre, l'époux, donc la petite, car elle a 14 ans, hein, la jeune femme a 14 ans, car une femme romaine accouche à 14 ans. Donc si elle a 14 ans, elle meurt, évidemment, on couche. Alors la question que je te pose, est-ce que tu ne crois pas que cette, entre guillemets, infériorité des femmes que tu repères dans le droit extérieur à l'Occident n'est pas aussi dans les origines de notre propre droit occidental? Je suis passé vite sur la question, mais je l'ai dit en précision préalable. Pas en train de dire que le monde occidental a été à l'écart de ça, pas du tout. Parce que même sans remonter au roi romain, hein, à la Renaissance, où on fait référence de nouveau au roi romain, où la source d'inspiration redevient le roi romain, c'est exactement la même chose qui se produit. Tous les progrès dont a bénéficié la femme en matière juridique dans la période qui a précédé sont remis en question. La Révolution française n'est pas davantage bénéfique aux femmes. Olympe de Gouges qui rédige la déclaration des droits, la première déclaration des droits de la femme, est guillotinée. Et il n'y a pas eu d'émancipation de la femme. Elle s'est émancipée socialement, professionnellement, économiquement, dans l'institution du pouvoir, nourrissant une activité intellectuelle, mais jamais du point de vue juridique. Et du point de vue juridique, Thierry, on ne votait pas encore, les femmes ne votaient pas à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elles devaient demander la permission de leur mari pour passer le permis jusque dans les années 60, pour ouvrir un compte en banque, le savez-vous, mademoiselle? On ne parle pas de la préhistoire, hein, c'est dans les années 60. Donc évidemment, hein, je l'ai dit, toutes les sociétés sédentaires qui ont été étudiées, à part quelques sociétés Amazon, dont je ne sais pas si on nourrit pas quelques fantasmes à leur égard, sont des sociétés qui mettent l'homme en situation de supériorité à l'égard de la femme, toujours, partout. Et le système du prendre, les ethnologues apprennent le prendre, c'est-à-dire on va chercher les femmes, ou alors le système du viol, qui consiste à aller leur semer la bâtardise, en fait, dans le ventre, hein, ou de décimer le moral des troupes, est un système universellement consacré. C'est clair. Oui ? Si on considère que c'est souhaitable. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue, puisque je m'en suis abstenu jusqu'ici. C'est un projet de société comme un autre. Pendant longtemps, on a considéré qu'il allait de soi. Aujourd'hui, il est très clair, ça fait 20 ans qu'on écrit sur le choc des civilisations, hein, le choc des cultures, hein, l'affrontement entre les différentes cultures sur la planète. Clinton a été un des premiers à le mettre en lumière. Aujourd'hui, on sait bien que les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Donc à partir de là, deux choses l'une. Soit on y renonce, en connaissance de cause, pourquoi pas, hein. Relativisme culturel, chacun sa culture, chacun sa façon de s'organiser, chacun sa façon de vivre, le problème se posera ici, rapidement, hein. Il est mondial, en fait. Dans une situation
de flux migratoires, le problème sera universel. Donc de deux choses l'une, soit on considère que c'est un état de fait, soit on considère qu'après tout, dans tous les domaines, dans tous les systèmes sociétaux possibles, il y en a un qui trouve notre préférence, et dont on veut faire la promotion. Non pas par la force, je le disais, mais par la force de persuasion. Essayer de convaincre les autres que ce système est bon pour l'homme. Voilà, c'est un projet politique. Hein. Et c'est pour ça que je disais, je ne peux pas m'engager, moi, parce que j'ai mes opinions là-dessus. Mais c'est un projet politique. On a considéré pendant longtemps que la mission civilisatrice de l'Occident allait d'elle-même, en fait. Hein. L'Occident, il arrivait avec des canons, il plantait le drapeau partout, et puis les gens allaient accéder à des degrés de développement, donc de culture, hein, dont on pensait que c'était linéaire. Rostow a écrit un ouvrage sur les étapes du développement politique. Hein. Le développement culturel vient avec le développement politique. Hein. C'est normal, hein, on se développe, on devient tous pareils. On voit bien que ce n'est pas le cas. Donc si ce n'est pas le cas, soit on se satisfait de l'état de fait, soit on décide d'agir dessus, et dans ce cas, c'est un projet politique. Je ne suis pas sûr qu'il soit porté ni par nos représentants, ni par la classe politique occidentale. Hein. On s'en fout. Hein. Pas sûr. Au contraire, je pense qu'on est rentré dans une phase de relativisme culturel assez marqué, dans laquelle tout est légal de tout. 100 000 morts au Soudan, Paris Saint-Germain, Monaco, 2-2. Une dernière question pour oui. Mademoiselle, vous aviez... Mademoiselle. J'avais une question relative aux politiques de discrimination oui. qui sont mises en œuvre à l'égard des femmes. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un dispositif vraiment pertinent pour femmes qui auraient plus d'égalité, étant donné que c'est quand même une notion assez controversée? Bon, je vais faire bref parce que c'est 2h05, il y en a qui doivent partir en cours, c'est un débat important, vous savez qu'il agite les cercles de juristes que nous sommes. Sur le principe, je ne suis pas farouchement opposé au fait qu'on mette des quotas ou de la parité entre les hommes et les femmes en politique. Au fond, pour être très honnête avec vous, je trouve que c'est assez infamant à l'égard de la femme de devoir bénéficier d'un statut de protection particulier, pour dire qu'il faut qu'il y ait la moitié des femmes dans les hémicycles, il faut qu'il y ait la moitié des... Et j'allais dire même que c'est insultant, parce que si un jour il devait y avoir deux tiers ou trois quarts de femmes dans les hémicycles, ce ne sera pas possible parce qu'on aura limité à la parité. Et d'autant plus que ça peut se retourner à un moment donné contre les femmes, je le dis souvent aux étudiants, parce que, par exemple, dans le monde de l'éducation nationale, il y a 70-75% de femmes, alors pourquoi pas en tant qu'homme militer en faveur de la parité. Dans la magistrature, je souhaite qu'il y en ait plein dans les années qui viennent ici, dans cette salle, il y a 65% de femmes, pourquoi pas 50-50, puisqu'on doit dire 50-50 en politique aussi. Donc ça peut se retourner contre ses promoteurs. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre venue nombreuse en tout cas. C'est très agréable.